Ah oui, on reprend directement ici. Ok. Oh, je sais pas, on introduit Twitter. Twitter. Faut introduire Twitter. YouTube. Et paf! Et bonjour YouTube! Comment ça va? Cinquième partie de Stray. Tout va bien. On a perdu Clémentine, mais tout va bien. On va s'en sortir. Courage. Mouaou. Ah, vous pouvez monter là-haut. Ah, mais non, mais t'as rien compris. Eh, le chat. Monte là-haut. Là-haut. Hop. On peut pas le pousser, ça. C'est bien dommage. Alors, de mémoire. Voilà. Panneau d'indice. Je crois qu'elle nous avait pas laissé un message. Ah. Oui. Qui sont-ce? Ah oui, non, d'accord. Oh, le petit raccourci. Ah mais non, mais si j'ai un mot, il est là. Pas du tout. Mais non, c'est pour dormir, ça. Excusez-moi, ça fait 15 jours qu'on n'a pas joué. Mais je me souviens qu'il fallait qu'on cherche Clémentine. Qu'on avait perdu Clémentine, en tout cas. Hop là. Bon, bah du coup, réseau d'indices. C'est parti. Clem. Aucun signe de Clémentine. Oh, qu'est-ce que c'est? On dirait une sorte de message codé. Il joue à Straight. Ah, c'est pas la même ambiance du coup après Psycho. Comment ça va? On va devoir jouer au détective pour découvrir ce qui lui est arrivé. Regarde! À l'intention de B12 et du chat, la réponse est dans mes affaires. Attendez, on a mieux à faire. À l'intention de B12 et du chat, la réponse est dans mes affaires. Je répète, la réponse est dans mes affaires. C'est juste qu'il faut que je baisse mon retour parce que j'arrive pas à me concentrer après. Ça me déconcentre de trop. Ok. Mais du coup, si je fais ça là. Est-ce que je m'entends combien? Ah, je m'entends encore fort, hein? Ah oui, et là, comme ça? Ah, là, ça va mieux. Ok. Non, mais c'est pas facile, hein, des fois. Hein. Voilà. Bah écoute, ça va, Psycho, ça va. On se remet d'un week-end bien chargé, mais ça va bien. Quatre symboles. Alors, c'est signé Clémentine, regarde. Clémentine. Ouh! Ah, voilà, là on a donc un... Ok. Un, 2, 3, 4. Alors... Qu'est-ce ici? Quel est le réseau d'indices? Ah, d'abord, un truc avec une espèce de meringue dessus. Ah bah c'est ça. Mes capteurs ne peuvent détecter que les produits chimiques inoffensifs à état gazeux. Ils ne peuvent recréer la sensation d'apaisement dont je me souviens. Comme moi, les compagnons n'ont pas d'odorat. Alors, je me demande pourquoi ils font ça. Il y a aussi un message caché sous le récipient. Il est écrit « Je suis avec... » En cherchant les indices, on aura la phrase complète. Tu l'as fini du coup? Tu l'as fait toi du coup, Psycho, le jeu? Celui-ci? Ensuite, on a quoi? Oui, c'est pas évident, ça.
Ça dit, on peut le tourner. Non, il n'y a rien. Merci pour la description. Oh, c'était rapide mais intense, Tine. Pas de soucis. 10 bisous, bonne soirée. Et bonne journée plutôt même pour toi. La moustache, ouais, elle est pas très claire là cette semaine. Des bisous gineux. Et bisous au Québec. Il y a une espèce de sac. Non? Ou je sais pas, des... ça me dit quelque chose. Il n'empêche. Inspecter. Non. Les robots, ça emmagasine n'importe quoi. Pas vu en haut. Ah. Tac, tac, tac. Je crois que c'était ça. Voilà. Les minerais. Cette gemme est d'une valeur moyenne et d'une pureté faible. La brillance semble avoir été ajoutée artificiellement. Elle sert peut-être de guide pour nous aider à trouver quelque chose d'utile. Bingo ! Il y a un message. Il est écrit « Blazer ». Après, c'est... petit truc avec un autre truc au-dessus. Un petit truc avec un truc au-dessus. Tu as trouvé quelque chose? Je ne vois rien, tu es sûr? Non, mais je sais pas, parce qu'il y avait marqué quelque chose, donc j'ai cru que je pouvais. Non, c'est clairement pas là. Hop. Non. Peut-être encore être en haut? Sinon je l'aurais vu. T'as une espèce de soucoupe volante. C'est-à-dire que quand même. Ah, bonjour. Pardon. Alors, c'est comme une lampe de lave, mais sans la lave, du coup, le 3. Avec une petite table en dessous. Ouais, sans les tables, il n'y en a pas 50. Hein. Non, ça, c'est un vélo. Le compteur électrique là-haut. Ceci est un arrosoir, c'est pas pour ça. On peut monter d'ici? Wow! Alors, c'est pas lui, c'est clair. Quand même. Et bienvenue. Bienvenue dans la chaîne qui n'avance pas ses jeux. Edimar! Coucou! Merci pour le... Attendez, parce que normalement, bon, faut le faire. Hein. Merci pour le 20e mois, Dimar. Merci. Comment ça va? Qu'est-ce que c'est? 20 ans déjà? 20 ans. Au moins 20 ans. Au moins 20 ans. 20 mois déjà? Ça commence à faire. Hein. Presque 2 ans. Comment ça va, Dimar? How do you do? How are you? How was your weekend? Les deux bébés de Twitch. Presque. Ah bah non, c'est. Oui, on a passé les deux. On a passé les deux bébés de Twitch, oui. Indeed. Bon, moi je trouve pas cette satanée soupe volante là. Ce serait ça? Ah mais attends, me dis pas que c'est le... cône avec l'humain dessus.
Hein ? C'est un drôle de truc à mettre dans un appartement. On est pas maintenant, faut être plus sérieux peut-être. Faut être raisonnable. C'est ainsi que les compagnons voient les humains. C'est assez marrant. Regarde, on a essayé quelque chose ici. Ah oui, c'est ça. Il est écrit Venéo. Alors, elle est avec Blazer, Venéo. Et du coup, ça va être Lopalove. Pardon. Une lampe à lave. Mais alors, elle va être où? Est-ce que c'est pas celle avec le cœur? Des petits éclairs ou des petits petites loupiottes? Moi, j'aurais pensé à celle-là. Mais visiblement, non. Ah, mais attends. C'est quand même bizarre parce qu'il y a les petites étoiles à côté et là il y a les petites étoiles comme ça. Comme si c'était l'écran. Non, étonnerait. Sinon elle aurait mis l'écran. Bon, on va voir celui-ci. Alors voilà, voilà le show qui marche. Definitively maybe a shocky. On n'est pas sûr que ce soit définitivement un choqué. C'est embêtant pour lui. Choqué bar, c'est plus court quand même. J'ignore totalement ce que c'est, mais ça brille et c'est un peu envoûtant. Désolé, j'étais absent. Je n'avais même pas remarqué ce message-là. Ah si, c'est lui. Il est écrit club. Je suis avec Blazer. Venez au club. Sérieux, ici? Pardon, madame. Ouais, c'est difficile d'être sérieux ici, quand même. Ouais, ils sont sérieux. C'est ça, bien joué, inspecteur le chat. Maintenant, allons la trouver. Le temps presse. Vite. Ah, putain, c'est vrai qu'il y a... Tu sais qu'il y a les robots qui surveillent. Ah, oui, pardon. Hop là. Non. Ah, c'est la merde. Mao, vous m'aurez pas. Ah, oh oui, putain, ils m'ont tasé. Ah ouais, ils sont sympas, eux. Ah oui, ils ont tasé le chat. T'avises bien avec le jeu. Bah écoute, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais c'est plutôt sympa. Il est horrifié. Mais oui, t'as vu, c'est horrible. Est-ce qu'on a besoin de retrouver tout déjà ou c'est bon? Est-ce qu'on peut partir? Je pense que c'est bon. Ok. Je sais plus comment on fait pour. Courir. Ah si, c'est R2. Si, c'est R2 pour courir. Mouon. Non, tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu. Vilaine chose. Vilain robot. Comment j'étais venu déjà? Pipalipapou. Aux États-Unis, on dit Kitty pour n'importe quel âge de chat. Ah oui, Kitty, c'est. On le traduit plutôt comme. Ah, est-ce qu'il faut pas que je me mette là? Wait a minute! Pas du tout. Attends, on va regarder. Reviens là. Ah mais si, mais j'ai complètement le temps de passer derrière en fait. Pipalipapou. Si on vient comme ça, hop. Et voilà le travail.
Tu veux pas te barrer, toi? Je crois que la réponse est non. Ah non, donc j'ai... Comment il m'a vu tout à l'heure? C'est lui qui m'a vu, là? Espèce de... Bon, je vais me faire voir, là. Je crois que j'étais un peu ambitieux. Hop! Non, sérieux, comment il m'a vu? Bizarre. Bon. Le fait est qu'il m'a vu. Non, par contre, entre ne plus entendre le jeu et ne plus entendre rien du tout, bof quoi. Alors, parce que nous, l'idée, c'est de continuer à descendre, en fait. Hop. Hop. Ah non, je peux pas aller de l'autre côté. Zut. Ah mais ça sert à rien. On peut le faire, mais ça sert à rien. Toujours bon à savoir. On peut descendre par là. Je sais plus où ils sont les escaliers. Non, ça ne sont pas des escaliers. Ça. Yep, 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 yep. Ah si, je sais. Alors attendez, parce que là. Hop. Infiltration. Hop. Dans le carton. Hop, dans le carton, le chat. Miaou. On s'est dit, dans la présente, je suis pas sûr que ça servait à quelque chose. Alors. En vrai, le jeu est pas ultra compliqué non plus. Mais il faut faire attention. Je fouille. Je fouille. Voilà. Alors. Maintenant, le problème, c'est de savoir où on doit aller. Sur moins 15. Mince, qu'est-ce qu'il disait? Me dis pas qu'il fallait que je recommence tout le. Oh, j'y crois pas. Fallait que je refasse toute la séquence en fait. Hop, hop, hop. Super. On va le speedrunner. Hein. Je suis descendu complètement alors qu'il fallait pas. C'est super. Il ne bougera pas, toi. Ah oui, non, c'est en face. Ok. Hop. Hop. Comment j'avais fait? Merde, je sais déjà plus. Ah oui, si, comme ça. Hop. Voilà. Bon, bah, retour à case départ. Donc, je suppose qu'il faut aller...
Il n'y avait pas besoin, on l'avait déjà fait, et lui s'en souvenait, on devait aller. Bon bah, on repart. Allez hop, tu peux donner de la fouette. Zut, c'est pas. Éteint. Ah mais non, nous on va vouloir passer à droite. Bon, cela dit, les deux sont possibles, mais. Oui non, le chat, fais pas ça. Bon alors, le club. Mais le chat, le jeu, c'est trop mignon. Oui, ah, le petit minou il est trop mignon, c'est clair. Bouger les peaux comme ça. Il doit être un chat dans une autre vie. Alors, le club, où il est? Qu'est-ce qui s'appelle un club? Club de quoi? Eh, yo club. Je doute que le videur nous laisse entrer. Ah bah. On a trouvé le club. Eh les gars, je crois qu'il va encore falloir qu'on grimpe par l'arrière. Ça me met un club ça? Ok. Alors l'arrière, l'arrière du club. Je suppose que... Ah. C'est pas pour toi, va-t'en. Trop l'objet. J'ai pas l'objet à donner. Y a-t-il une différence entre Minou et Minette que le genre... Que le genre du mot, le sens ne change pas. Non, non, c'est la même chose, c'est juste que bah, Minette, c'est plus pour un... pour les chattes. Et Minou, c'est pour les chats. Bien qu'on utilise Minou pour les deux quand on sait pas. Putain, il y en a du monde ici. Ok. Alors, par... Tiens. Ah non, je peux pas scratcher. Je peux pas gratter. Alors que là... Pas du tout non plus. Ah, et c'est la grimpette. Pipi pipi pipi. Bonjour. Tu veux quoi, toi? On peut te parler un moment ou... Pas du tout. Bon, il a l'air plutôt de planer, donc on va pas le déranger. Par contre, faut pas que je me trompe d'endroit. On va voir. C'est de passer par là. Attention! Attention en bas! Là, il y a RAF. Y a rien à faire. Yep, bonjour. Salut, comment t'es monté ici? Tu veux faire la fête avec nous? Allez, entre et viens boire un petit coup. Vous avez du lait? Hop. Alex. On cherche Blazer. Hop. Ils ont l'air d'être occupés. Hop. Bonjour, je suis un chat. Du coup, je casse tout. Non, buvez pas ça. Ah oui. Hey client, l'accès au balcon VIP est fermé. C'est réservé à des affaires privées en ce moment. Je
crois que c'est un certain Blazer qui l'a réservé. Il a une espèce de vapote. Ok, donc c'est là-haut. Oui, très bien. Ouf, ah oui, le verre est parti en 2-2. Excusez. Oh ! On peut donner le... Hey ! Passez ça, là. Viens, hâte de boire. Passez ça, plutôt. Voilà, c'est mieux ça. Salut tout le monde, ici DJ Matzi. Que la fête commence. C'est la première chanson demandée par notre ami le plus douteux, plus que douteux, Blazer. Il va être là-haut du coup, mais comment j'y monte? Là. Est-ce que je trouve le levier dans un premier temps? Allez, poussez-vous. Allez, est-ce qu'il y a un client qui attend à boire là? J'ai payé un supplément pour avoir des pas de danse du soir. Les. Non. Pour avoir les pas de danse du soir auprès du videur. C'est lui qui programme les hologrammes sur son temps de libre. Ok. Ok, lui en... il a des problèmes. Quel dragon? Tu aimes mon masque? C'est moi qui l'ai fait. Ça brille, ça brouille les scans des sentinelles. Il est trop cool. Tu peux être sympa, ça. Ça peut être utile. Un passeur à gauche, un passeur à droite, bip bip swoop swoop, on danse le Zegemar. C'est quelque chose. Pff, ce club est nul. Il est nul ce club. Quand j'ai voulu entrer dans leur salle VIP de crétin, ils m'ont éjecté, moi. Tu crois ça? Alors j'ai volé ce levier, juste pour déconner. Si tu m'offres à boire, je dois le stupide violet, le levier. J'en ai pas besoin et j'ai pas envie de me faire prendre avec. Bah tiens, vas-y, prends ça. Oh, merci mon ami. Tiens, comme promis. Merci. Hop là. L'avantage, c'est qu'on a pas besoin d'aller loin. Pousse-toi. Je sais pas pourquoi ça va, à quoi ça va être utile, mais si ça existe, c'est que c'est utile. Ah oui, après, faut monter dessus. Stouk. Disparo. Vas-y, remets-le. Voilà. Incroyable, cette intelligence du chat. On peut appuyer sur les boutons? Oh ben oui. Poup. Oh, ça a baissé des machins. Poup. Ah, d'accord. Ah oui, non, faut que je me fasse le chemin d'ici jusque là-bas. D'accord. Oh bah, on n'est pas rendu, les amis. Bah, je pense que c'est bien comme ça. Ouh. Ah non. Yep. Yep. Pas suffisant. T'en remets-le.
Mais non, mais. Ah bah super. Super génial. On n'est pas rendu là. Ah, peut-être que. Je vais voir. Ah, bien sûr, ça va se faire. Blazer, c'est toi? Ah, c'est Raph. J'entretiens d'excellentes relations avec les sentinelles. Je ne comprends pas ce que les gens leur reprochent. On n'a pas grand chose à donner pour l'instant, encore toi. Ça viendra. Ah, elle est gotée? Mais non! D'une pierre deux coups. T'es pas aussi malin que t'en as l'air, le chaton. Enfin, je t'en veux pas. Les affaires sont les affaires. C'est pas. Ah, écoute, si Clémentine elle aime le bondage, elle aime le bondage. Hein. Les affaires, c'est de l'argent. Et pour moi, l'argent a plus de valeur que l'amitié ou la camaraderie. Y a pas de bouche. Oui, ce sont des robots. Ils parlent bizarrement. Ils font des bruits bizarres. Mais oui, par contre, je vois ce que tu veux dire. Il y a pas de bouche, mais elle est bâillonnée. C'est psychologique, hein. C'est très psychologique tout ça. Ils sont à vous. À qui ils parlent? Ah, putain. Sentinelle. Ah, attends, tout à l'heure, un coup de taser et c'était le chaos, mais là, ça va. Ah! Le fameux tour en prison, comme tous les jeux d'aventure. Moi, tout nu. Ah. Ah bah c'est ouvert. Allez, trop bien le chat. Ok. What if I'm jumping here? Ok, je peux aller là. Et là. Hé hé. Adieu, lumière dégueulasse. Bon, tu as dit, la lumière rouge, j'avais pas vu. La prison. C'est parti. Ouais, parce que du coup, faut aller où là? Bah, je veux bien, hein, mais. Ah oui, voilà, ok, d'accord. Ouhou! Ou l'eau, ouais, j'irai pas m'y baigner quand même. Hein. Oh, y'a un qui est torturé là.
Bon, il est pas bien là, il est pas à l'aise. Alors. Heureusement qu'on est un chat. Rien à voir. Il y a RF. Rien à voir. Hop, hop, hop. Ah non, on est passé de l'autre côté de la porte, j'avais pas fait gaffe. Ah. Ah. Oh, il y a une boîte là-bas. Ou alors, soit on lui fait le coup de la boîte, soit on lui fait le coup de passer dans la prison. Dans la cellule à droite ou à gauche, cela dit. Allez, bouge. C'est pareil, il y a même des chiottes pour les toilettes. Pour les... Ouais, oui, il a perdu la tête, lui, carrément. Hop, de la boîte. Ouais, il y en a un autre qui est pas bien là-bas. On va passer derrière la poubelle. Il ne voit pas. Je suis un chat expert en exfiltration. Bon, cela dit, je sais pas où il faut aller après. Ah oui, si, là, d'accord. Ah mais non, mais c'est bon, on voit pas là. Coucou. Allez, ça dégage. Ah, mou. Attention derrière toi. Ah non, c'est juste qu'il fallait chercher la clé. Attention. Ouais, d'accord. Ouais. Là c'est fermé. Là c'est fermé. Ok. Donc le tout se joue ici. Mais comment? Pas moyen de monter. Mais de passer en travers les barreaux. Mais c'est bien sûr. On est à l'extérieur. Ah oui, c'est vraiment une... Oui, forcément, c'est forcément une vraie prison, mais d'accord. Ah, je voulais monter. On peut pas. No, we can't. Oui, pour la clé dans sa petite bouche. Foutu jeu trop mignon. Ah oui, mais du coup, forcément, petit robot, il est pas là. Tiens, Clémentine. T'es bon? Bon, je sais pas ce que tu veux faire, mais faut y aller. Ah, puis j'ai pas mon traducteur en plus, donc on peut pas parler. Ah oui, mais allez.
Elle peut tout ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, avance. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il n'y a rien. Mais what? Mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Mais est-ce que c'était vraiment nécessaire tout ça? Vraiment, est-ce que ce n'est pas un peu excessif? N'importe quoi. Bah oui, on vient de le voir. Sauver les vitamines B12. Et on les va doucement. Il me marche dessus. Qu'est-ce qu'il va y avoir ici? Ok. Ah oui, j'avais pas vu putain en haut. Hop. Oulala. Ah oui, j'ai failli choix. Ça bouge par contre, d'accord. Ah mais il y a la robinetterie juste au-dessus. Okay. Peut-être pouvoir passer par là. Mais c'est à oui. Quoi qu'attends. Il y a la fenêtre en fait à droite. À mon avis, il va falloir désactiver tout ça en passant quelque part. Bah certainement dans la case là-bas en plus. Du coup. Oh, ça ok. Ah mais d'accord, en fait il. Partout quoi. Non mais plus haut. Regarde plus haut. Le chat. Voilà. Non, plus haut. Yep. Et voilà. Ouh, c'est chaud. Hop là. Et voilà le travail. Bon, je crois qu'ils vont pas kiffer ça. Sois recherche. C'est quoi le délire? Ils sont en aléatoire un peu plus là?
Je pense que les bottes, c'est plus en cas de course-poursuite ou de trucs comme ça. Est-ce qu'on le voit quelque part, lui? Attends, vas-y, descends. Ah, il y a quand même un qui le surveille. Vite! Oh, je peux me cacher en dessous. Oh, c'est trop bien. On a eu chaud aux moustaches quand même. Oh putain. Oh putain. Ah non, mais j'ai eu chaud aux moustaches à plusieurs reprises là. Attendez. Là, on sait qu'il nous voit pas. Ah si. Non, non, tu fais quoi? Non, tu peux pas, 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 tu peux pas. Ouh. Ouh, c'est comme ça qu'ils font alors. Ah si, il peut. Ah si, tu peux. J'ai un petit peu trop précipité, je crois. Ah, faut recommencer. Oh. T'es où? T'es là. Yep. Ah, je crois que j'étais pas loin de la sortie, en vrai. Alors, tout ce monde. Ah non, putain, on a dit que c'était pas par là. Ah, dommage. On aurait pu, mais on l'aurait fini en petit apéricube. C'était trop juste, j'ai bien fait de rester. On va passer par là. Voilà, va là-dedans. On va observer un peu. Faudrait limite que je passe par la porte d'entrée en fait. Parce que j'ai pas bien vu où il chopait la visibilité sous la fenêtre. Ah, y a là... ah oui, non, là il l'a pas du tout. D'accord, là on peut y aller. Allez, va te cacher là. Je sais que c'est là-bas, mais on va attendre qu'elle revienne, elle. Allez, vas-y, file. Voilà. Ah non, il était vraiment tout près. Plus qu'à faire ça. Ça. Et ça. Clémentine, c'est bon, c'est réparé. Meow.
petit sac à dos. J'avais l'impression d'être à nouveau enfermé dans un système informatique de mon labo, tout seul. Mais tu es revenu pour moi, je n'arrive pas à y croire. Tu es vraiment un ami. Non, je suis un chat. Je suis vraiment ravi qu'on se retrouve, mais on n'est pas encore en sécurité. Il faut qu'on trouve comment sortir d'ici. Tu peux ouvrir cette porte ? Boop bip boop. Y'a pas des trucs à récupérer. C'est vrai qu'il n'y a pas trop de loot dans le jeu de manière générale. Hormis les souvenirs. Ah oui d'accord. Ah non, bah non, je peux pas. Mao. Mao. Tu regardes, t'as de quoi faire. Mao. Dans la vitre. Ok, ok, je me barre aussi. Pas vraiment là que je l'aurais mis, mais ok. Hop, allez go. Ces sentinelles bloquent à nouveau le passage. Elles vont me repérer immédiatement. Et si tu essayais de les attirer dans ces cellules pour les enfermer ? Attends, parce que là... Je suis invisible en étant comme ça ou comment ça se passe ? On peut lui parler à lui ? Coucou. Tu vois ce type par terre là-bas ? Il a été réinitialisé. Je ne veux pas perdre ma mémoire. J'ai très peur. Désolé Pablo. Attends, mais comment ça se... Ah oui, mal en point. Ce centre de récupération m'a fait le plus grand bien. J'ai l'esprit clair et lucide. Je suis un citoyen exemplaire maintenant. Vous voulez une pile ? C'est une de ces nouvelles consoles de jeu ? Ouais, c'est un peu limité, quoi. Mais ça peut faire le taf. Hein. Si je me mets là, et je fais ça. Non mais faut que tu rentres. Vite. Ouh. Chez. Vas-y bien Clémentine. Tu vas nous libérer, tu vas voir. Il y a un souvenir à droite. Bon. Pousse-toi. Ce pauvre type. On dirait que les sentinelles sont sans pitié pour tous, pour ceux qui les défient. C'est bien ce que je craignais. Elles l'ont complètement annihilé. Plus aucune émotion, plus de conscience de soi, plus de souvenirs. Je t'en supplie, on ne doit pas se faire prendre. Ok, ok. Ah, on fait pareil. Enfin, je fais pareil. Ah, attends, cette fois-ci, c'est où ? Bonjour. Eh, ne m'attire pas d'ennui. Je n'ai plus que 758 ans à tirer, je suis libre. Bon, pauvre. Capone. Ah bah,
Oh, tu suis derrière? Ah, mais attends, les deux se communiquent en fait là. Comment je vais faire? Parce que du coup, faut que j'attire les. Putain, il y en a trois? Non, deux. J'attire les deux dans la même en fait. Je sens que je vais me faire frire le cul. Oh, c'est la mauvaise idée ça. Ah bah non, mais c'était bien en fait. Non mais descend. Eh hey, je suis là. Eh hey, minute machin. Ah mais elle est sortie saloperie. Attends, je vais chercher ta copine. Ouh, la vache. Allez, deux là, venez. Ok, tic et tac sont là. C'est parti. Oh, j'ai cru qu'elle allait sortir. Heureusement que l'IA est un peu conne quand même. Attends, je vais demander à l'autre s'il veut sortir. Tu veux venir avec nous? Ah bah tu t'attends pas que je te propose, tu viens. Toi tu veux venir aussi? Tu l'as bien enfermé cette sentinelle. On va reprendre le pouvoir. Il est un mafieux lui. Et lui s'en fout aussi. Eh, hey, bande de sentinelles, vous n'êtes que des sentinelles. Voilà. Bah, laisse ouvert pour les autres. Clémentine, tu peux rouvrir pour les autres, s'il te plaît? Sois sympa. Reste aux aguets. On n'y est pas tiré d'affaire. Bon, faut que j'aille appuyer de l'autre côté. Ah oui, bah d'accord. Hop, attention. Bah voilà. Ch'touc. Et voilà. Tadra. Cette porte, c'est le seul moyen de sortir de cette prison. Je crois qu'on peut l'ouvrir à partir de cette salle de contrôle, là-bas. Mais il faut qu'on trouve comment accéder à cette salle. Fouillons les lieux. Déjà, il y a des clés. On a de la chance. Ils ont laissé les clés sur la porte. Grimpe à l'arrière du camion. Tu devrais pouvoir sauter par-dessus la barrière et accéder à la zone sécurisée. On trouve des choses assez facilement, quoi. Vas-y! Yep. Hop. Ah mais d'accord, c'est là. Yep. Et voilà. Pas la voiture, hein.
Attends-moi, Clémentine. C'est-à-dire ? On n'y arrivera jamais avec les sentinelles sur le dos. Je peux y tourner leur attention un instant, mais tu dois partir. Le manifeste des extérioristes dit « Nous devons atteindre l'extérieur à tout prix ». Je l'ai écrit. Tu es l'un des nôtres maintenant. Nous ne serons pas tous obligés d'atteindre l'extérieur, mais l'un de nous doit y aller. Un clé du métro. Vas-y maintenant. Tu resteras gravé dans ma rame, petit extérioriste. Ah, non, Clémentine. Fuis. Fuis. Bon ben, let's go to the subway, hein. On a tout ça ici. Petite radio. Rien de particulier à faire. Miaou. Rien à récupérer non plus. Eh ben allez, on s'est mardi. On est sorti de prison, YouTube. Des bisous. Direction... métro. Prochain épisode. Des bisous.